le monde sait Redkill et aujourd'hui on va tenter de battre le génie Akinator. On va notamment lui faire deviner des personnages des Rainbow Friends. Et j'ai même rajouté un personnage mystère. Alors Akinator, le génie le plus intelligent du monde, tiens-toi prêt, on va te battre. Car oui, en effet, moi aussi je suis un génie. Bon, ok, je suis le génie de la bêtise, mais si je suis un génie quand même. Donc les amis, voici la liste des personnages que nous allons tenter de lui faire deviner aujourd'hui. Il y a Blue, Green, Orange, Purple, Red et le personnage mystère pour la fin. Enfin s'il y arrive. Donc allez, on commence avec évidemment le personnage Blue. Ton personnage est-il réel? Non, pas du tout. Tu commences plutôt bien. Ton personnage est-il japonais? Non, je ne suis pas sûr qu'il ait une nationalité, Blue. Ah, ok. Ça y est, je crois qu'il est déjà sur la bonne voie. Ton personnage est-il méchant? Bien sûr que oui. Personne ne veut le croiser, lui. Ton personnage porte-t-il des vêtements? Bon, à part une couronne, mais je pense que ça compte pas comme des vêtements. Il est absolument tout nu. Donc, non, aucun vêtement, mon pote. Est-il bleu? Bon, ça va. On se calme. Il y a beaucoup de personnages bleus dans les jeux vidéo. Il y a Sonic, il y a Kiwiki par exemple. Donc, normalement, si je mets oui, ça va. Il devrait pas te trouver directement. Non! Ton personnage porte-t-il quelque chose sur la tête? Mais attends, mais il abuse là! Oui, ok, il a une couronne. Ton personnage a-t-il de la moustache? Attends, je dois vérifier, mais non, il me semble pas. Il a de la bave à la limite qui dépasse, mais. Non, ton personnage pèse plus de 100 kilos. Voilà, je t'avoue que je suis pas le coach sportif de Blue, alors je sais pas trop combien il pèse. Hein. Moi, les amis, je pense que Blue, il pèse plus de 100 kilos vu qu'il est juste gigantesque, énorme. Mais on va dire que je ne sais pas, si ça se trouve, il fait 90 kilos, tu vois, je ne sais pas. Allez hop, ton personnage est-il gaucher? Alors là, je sais pas non plus, hein. Ton personnage est-il d'origine italienne? Non, pas du tout. A-t-il un petit frère? À moins que ce soit Green ou peut-être Kiwi. Non, il a pas de petit frère, c'est mort. Ton personnage a-t-il un cœur? Ouais, mais c'est que les questions sont compliquées aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il ait de cœur, lui, hein. C'est plus un robot, donc je dirais non. Ton personnage a-t-il une couronne? Oh oh, les amis. À moins qu'ils nous disent le roi Arthur. Ah non, le roi Arthur n'était pas bleu. Bon, tant pis. A-t-il une couronne? Oui. A-t-il été corrompu par un cube violet? Non, on n'est pas dans Fortnite. Ton personnage a-t-il participé à Secret Story 5? Non, il est parti où là, machin? Ton personnage joue-t-il au poste de réceptionneur attaquant? Oh là, il est parti hyper loin là. Ton personnage est-il le chef d'un groupe de personnes? Ah, c'est pas le chef, hein, mais si, allez, c'est le chef. Il a la couronne, c'est lui le personnage principal, on va dire que c'est le chef. Ton personnage mange-t-il des chips? Ah ah, oui. Est-il encore vivant? Oui, il est vivant. A-t-il fait une chanson contre le... What? Pas du tout, il chante pas, Blue. Ton personnage s'intéresse-t-il aux démons? Non, je crois pas, hein. Je veux dire, ne sais pas, mais je crois pas. Hein. Ton personnage est-il mondialement connu? Bien sûr qu'il est connu. A-t-il des bras à ressort? Ça, c'est Green, les amis. Mais non, lui, Blue, il a pas des bras à ressort. Ton personnage a-t-il joué le rôle d'un agent de la DGS? Non, pas du tout. Est-il né avec un bras en moins? Non, Blue n'est pas né avec un bras en moins. Ah non! Waouh, il l'a trouvé. Mais par contre, il est parti super loin dans ses questions. Ouais, c'est bien ça. Bien joué, Akinator. Je t'aurai pour la prochaine fois. Bon, on passe maintenant au personnage Green qui sera sûrement beaucoup plus difficile à trouver. Même s'il avait la bonne voix en disant personnage bleu, non. En disant les bras à ressort et tout, est-il grand? Plutôt qu'il est grand. Est-il rose? Pas du tout. Justement, oh oh, voilà. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est déjà sur la bonne voie de la couleur. Ton personnage a-t-il comme couleur significative le rouge? Non, ça c'est moi ça. Lui, justement, c'est plutôt le vert. Est-il noir? Non, mais frère, tu peux pas me faire toutes tes couleurs. A-t-il des bras à ressort? Aïe, 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 aïe. La question qu'il fallait éviter. Il l'a déjà posée au bout de la 8e question. Aïe, aïe, aïe. Est-il... Ah bah oui, il en a. Est-il chauve? Bon, ouais, en même temps, je crois qu'il y en a aucun qui a des cheveux, non. Oh, mais il a déjà trouvé une 9e question. Il a été encore plus fort que Blue. J'y croyais pas. C'est juste abusé. Bon, ouais, bien joué. Non, mais là, franchement, il a trop géré ce génie, là. Ok, maintenant, passons à Orange. Et pour l'instant, depuis tout à l'heure, toutes les questions qu'il a posées, il n'avait aucune qui était en rapport avec Orange, il me semble. Vraiment. Il a pas parlé de la couleur orange. Il a pas parlé d'une forme crocodile. Il a pas parlé qu'il fallait qu'il suive une ligne. Bref. Orange, il ne le trouvera pas. Ouais, je m'avance peut-être un peu trop, là. Ton personnage existe-t-il réellement? Non. Est-il japonais? Non, il est Robloxian. Ton personnage est-il méchant? Oui, plutôt. Porte-t-il des vêtements? Il est absolument tout nu comme Blue. Ton personnage est-il bleu? Non. Est-il une fille? Non, je ne crois pas. Est-il vert? Toujours pas, mon pote. A-t-il joué des rôles où il possédait des pouvoirs surnaturels? Oh, il n'a pas de pouvoir surnaturel, hein, juste il te dévore, quoi. Donc, non. Ton personnage est-il un lion? Non, c'est plus un crocodile. Est-il puissant? Plutôt qu'il est puissant. A-t-il une queue? Oui, qu'il a une queue. Il est sur la bonne voie. Est-il orange? Il est encore plus sur la bonne voie. Non, est-il un lézard? Oui, c'est un lézard. Non! Joue à toi, sale génie. Oh, il est beaucoup trop fort pour moi. Bon, on va faire Purple, ensuite Red. Il y a moyen qu'il trouve Purple. Red, je sais pas, mais en tout cas, le personnage mystère, il ne le trouvera pas. Ton personnage est-il une fille? Non. A-t-il vécu en France?
Non, à part sur mon ordinateur, existe-t-il réellement? Encore moins, est-il issu de l'animation japonaise? Pas du tout, il est issu de Roblox. Est-il méchant? Ça se trouve, il est en train de m'entendre. Peut-être que je ne devrais pas parler. Est-il méchant? Oui, il est méchant. Porte-t-il des vêtements? Ben, en vérité, on l'a jamais trop vu, mais on sait plus ou moins à quoi il ressemble. Est-il bleu? Oh, mais c'est un truc de foot. À chaque fois, il se met sur la couleur directement. Il sait très bien que beaucoup de joueurs jouent Huggy Wuggy, Blue, etc. Ton personnage a-t-il combattu au tournoi du pouvoir? Hein? Mais de quoi il me parle? Fait-il partie d'un jeu d'horreur? Oui, sur Roblox. Est-il orange? Non, ça c'était juste avant, mon pote. Tu peux changer. A-t-il créé un univers magique? Lui, non, pas spécifiquement. S'est-il fait connaître grâce à Twitch? Ah, c'est plus YouTube, hein, c'est plus YouTube. Alors, je vais mettre... Non, on va mettre YouTube. A-t-il une apparence animale? Ah, bon, on sait pas trop à quoi il ressemble, en fait, hein. Il a plus une... Oh, oh, oh. On va avoir un problème, les amis. Est-il violé? Bien sûr que oui. Apparaît-il dans la série Shameless? Non, pas du tout. A-t-il la peau orange? Mais non, tu viens de me le demander s'il était violet. Ton personnage a-t-il combattu en Thaïlande? À croire que c'est un combattant, et c'est un boxeur. Bah, on le connaît pas trop, mais je pense pas. A-t-il des chaussures? Ça, on n'en sait rien, mais je vais dire non. Vit-il dans une forêt? Non, pas du tout. A-t-il des poils? On ne sait pas, je ne crois pas. Et a-t-il le pelage violet? Ouais, enfin la peau, mais le pelage, je sais pas trop. Bon, on va dire oui. Porte-t-il des habits? Non, probablement pas. Ton personnage est-il élastique? Ah, ouais, il est plutôt élastique. Oh non, déjà, il l'a trouvé! Oh, regardez-le, Purple. Bon, passons maintenant. Arrête, les amis, avant le personnage mystère. Ton personnage porte-t-il des vêtements? Lui, contrairement aux autres, il en a. Est-il une fille? Non. Est-il moustachu? Faut que je vérifie ça. Non, pas du tout. Il a absolument rien à part deux gros yeux globuleux. A-t-il des cheveux? Non, encore, mais non, je viens de le dire. Non. Fait-il partie d'un jeu d'horreur? Oui. Est-il rouge? Genre, il a trouvé directement la bonne couleur, oui. A-t-il des bras rouges? Oui. Attendez, parce qu'on ne sait pas. Il a une chemise de chimiste, là. Donc on n'en sait rien, en vrai, hein. On sait pas. Est-il jeune? Non. Tu viens de me demander s'il était rouge. Est-il un marin ou un pirate? Non, aucun des deux. Est-il le fils d'un dieu? Bon, j'espère pas quand même, hein. Mais non. Est-il architecte d'intérieur? C'est une amie, je crois qu'on l'a complètement perturbé, Akinator. Il est parti en délire, là. Ton personnage fait-il partie de l'équipe de la méthode Koé? Non. Va-t-il à la garderie? Non. Oh. Qu'est-ce qu'il raconte? À la limite, il va au théâtre. Présente-t-il une émission de musique? Waouh. Est-il un scientifique? Oh oh. On a un problème. Oui? Non. Mais c'est quoi ce dessin? C'est quoi ça? Proposé par Ethan. Ethan, c'est un très joli dessin, mais c'est pas le vrai Red, ça. Hein. Bon, en tout cas, il a trouvé, j'ai le seum. Bon, ok, les amis, c'est l'ultime partie pour tenter de battre Akinator. Ton personnage porte-t-il des vêtements? Et le personnage que je vais faire deviner, les amis, il s'agit de Pink. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont deviné. Il s'agit de Pink de Rainbow Friends, qui est un personnage qu'on n'a toujours pas vu dans le jeu, mais qui, selon les recherches des joueurs, on peut l'apercevoir très brièvement. Ton personnage est-il bleu de peau? Non, celui-là, il le trouvera pas, c'est sûr. Non. Est-il orange? Mais attends, il est en train de me faire toutes les couleurs. Mais il triche aussi, là, il est en train de me faire toutes les couleurs. Est-il rose? Oui. A-t-il une fourrure? Non. Attendez, mais il abuse. A-t-il une apparence d'araignée? Non. Plutôt alien. Passe-t-il sur RTL? What? Non, il passe pas à la télé. Fait-il partie d'un jeu d'horreur? Oui. A-t-il des poils? Non. Est-il une fille? On ne sait pas. Est-ce qu'il a encore sa grand-mère? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas. Ton personnage est-il violet? Non, je t'ai dit rose. Ton personnage est-il, se déplace-t-il sur quatre pattes? Non, je crois pas. Je crois qu'il a que deux pattes d'ailleurs. Hein. Est-il vendu des disques? Waouh. Ok, t'as cru que c'était un rappeur? Est-il un robot? Alors là, j'ai envie de dire probablement, en vérité. Probablement. Travaille-t-il dans un bureau? Non, il travaille à nous manger. A-t-il des jambes? Oui, il a des jambes. A-t-il des liens avec un robot? Oui. Il a un lien avec des robots, tels que Blue par exemple. Ton personnage a-t-il les oreilles d'un animal? Non. A-t-il un lien avec les robots? Je viens juste de te dire oui. Est-il petit? Non, il est pas petit. A-t-il une apparence animale? On dirait un peu un escargot en vérité, hein, donc je vais dire oui. A-t-il un bec? Non. Il a juste une bouche énorme comme ça, là. Passe-t-il sur Energy 12? Non. Oh, on a battu Akinator, les amis! Il s'est trompé! Yes! Mais on va quand même voir pour la suite. Ah, attendez. Il veut... Mon personnage apparaît plusieurs fois, mais pas dans la liste. Est-ce qu'il est dans la liste ou pas? Ah oui, il est là. Les amis, on a battu Akinator, du coup, let's go. Bravo, tu m'as posé une colle. Mais c'est un personnage qui a déjà été joué, donc peut-être qu'avec d'autres questions, il aurait pu le trouver. Et si ça se trouve, j'ai fait une erreur dans les réponses. Si c'est le cas, mettez-moi dans les commentaires, mais je pense que j'ai pas fait d'erreur. Je verrai ça au montage, et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Redkill, et bye tout le monde.